Les amis, excusez-moi. Donc nous voici pour la grosse rentrée de jeux PS3. Et là j'ai rentré pas mal de trucs intéressants. Donc le premier, tu as déjà vu, hein, le Buzz, avec les 4 Buzz. J'ai vérifié le prix. Hors boîte, c'est bien 55€ qui se vend. Donc sur la boîte collector, j'ai vu ça sur un site où tu peux voir où ça recense tous les prix du marché par rapport. Et là c'est pas le même site que je prends d'habitude, hein, celle-là c'est un autre. Donc il se vend en moyenne au plus bas prix à 55€, donc en état nickel, hein, comme celui-là, et les 4 buzz. Après il y a une autre version des buzz que j'ai vu, où ils sont raccordés tous les 4 ensemble et tu peux brancher ça sur un seul USB. Ça peut être pas mal, je vais essayer de choper ça, à 12-13€. Et comme ça me permettra de ne pas utiliser trop de piles non plus, parce que ceux-là, les buzz là mon gars, 4 piles, wow. Enfin 8 piles en tout, bon après je jouerai en général tout seul le 3 quarts du temps. Mais si je reçois quelqu'un un jour, on est ne fût-ce que deux, ça fait déjà quand même 4 piles pour les deux buzzers. Donc je vais essayer de voir pour acheter les autres buzz, on verra bien plus tard. Bon, ensuite, premier. Le deuxième que j'ai rentré, c'est un petit peu du Disney, et pas que, mais bon, principalement du Disney. J'ai reçu le Mission G, qui est en état, mais vraiment ultra propre. À part la boîte ici, qui avait une espèce d'autocollant, à mon avis, ça doit être l'antivol. Donc il reste un petit peu collant dessus, donc ça je vais essayer de nettoyer ça vite fait. Sinon, bah pareil, hein, en état vraiment ultra propre. Donc il est vraiment complet. Tu as la notice. Derrière top secret. Tu as le jeu. Voilà. Le jeu est franchement en état, mais ultra propre. Et tu as également 2 paires de lunettes 3D. Voilà. C'est les lunettes 3D vraiment les plus basiques qu'on connaît, enfin que vous connaissez quand enfin, ceux qui étaient nés dans les années 80, vous reconnaissez ce genre de lunettes, hein, 3D, hein, donc vert et rouge, hein, donc voilà. Après je vais essayer de le tester, voir un petit peu comment ce qui fonctionne, voir s'il est compatible 3D avec le jeu, enfin si c'est de la 3D par rapport à la console, et à ce moment là il faudrait une télé 3D que je n'ai plus malheureusement, ou sinon est-ce qu'il y a une fonction 3D juste avec les lunettes. Sans forcément avoir de télé 3D, ça ce serait top, comme ça je pourrais tester le bout de 3D et vous donner mon ressenti. Donc plutôt sympa, je ne sais plus combien je l'ai payé, entre 2 et 7€ celui-là, je ne sais plus exactement le prix, il faudra que je regarde. Oui c'était 5€, ou 7€ celui-là, pardon. Celui-ci, je l'ai rentré pour 2€ et pareil, il est dans un état mais nickel. C'est tout simplement le petit Wally, toujours en Disney, parce que je me paye un petit kiff là, ça doit reprendre pas mal de Disney en jeu PS3. Il est également ultra propre, ultra complet. Le CD, bah, y a vraiment rien à dire aussi, il est nickel de chez nickel. Donc celui-là c'était 2€ plus 3€ de report à chaque fois. Hein. Donc celui-là c'était, donc il me revient à 5 balles. Celui-là il me revient à 58€, donc quasiment 60. Et celui-là il me revient donc à 10 balles. Bon, 10€ pour un Mission G, c'est pas cher payé parce que c'est un très 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 bon jeu. Vraiment très fun de chez Disney. Ensuite, et ça là je suis super méga content, j'ai payé ça 43€, le Mass Effect 2. Ouais, tu vas me dire, ouais, t'as payé cher celui-là, hein, le Mass Effect 2. Mais regarde cousin, il est complet. Complet de chez complet. Tu as des... Ici c'est la version collector, comme tu le vois ici au-dessus. Tu as des trucs dedans, donc on prend 6 heures de mission bonus. Donc 6 heures de mission bonus, c'est quand même pas rien. Puis, tu te doutes bien que j'ai pas payé ça 43 balles. Hein. Ce que j'ai payé réellement 43€, c'est ce qui contient ce plastique là. C'est le collector du 3. Voilà, Mass Effect 3 en version collector. Il y aura une vidéo dédiée spécifique par rapport à ce collector là. Mais avant que je te présente donc le collector dans une vidéo bien spécifique pour ce collector là. Il me reste encore 2 petits jeux PS3 à te montrer, donc je vais montrer ça de suite. Allez, c'est parti. Il m'a donné envie en fait ce jeu, tout simplement. Et je viens m'apercevoir que apparemment c'est une édition Jap. Le Rumble Me sur PS3. Rumble Me, je l'ai payé. Alors attends, un cousin, que je dise pas de conneries. Je sais que vous aimez bien savoir les prix. 7,80€, donc il me revient à 10,80€. Il est en état nickel, la boîte est franchement propre. Il est complet. Voilà.
Le disque, bah franchement, il n'y a rien à dire, il est propre. Voilà, vraiment propre. T'as une petite artwork en plus derrière, tu vois. Voilà, tranquille. Donc celui-là, ça fera un nouveau jeu à se tester en live sur la PS3 et un nouveau jeu pour la collection. Ensuite, on enchaîne. Alors celui-là, je suis vraiment très 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 content de l'avoir rentré parce qu'il commençait à coûter un peu cher. Il montait à 25-30 balles des fois. Et ici, je l'ai rentré pour 13,40€, donc plus 3 euros de livraison, donc ce qui me fait 16,40€. Bon, ça reste quand même une somme, 16 balles pour un jeu PS3, mais c'est pas n'importe lequel, c'est tout simplement le Tomb Raider, la trilogie Tomb Raider en classique HD. Et les classiques HD commencent à prendre une sale cote sur PS3, donc celui-là, il est vraiment le bienvenu dans la collection. Et comme toujours, complet, c'est des notices vraiment impeccables. Rien à dire, le CD il a rien du tout. Donc vraiment top top. Bon après les Tomb Raider, les anciennes générations, c'est pas trop mon kiff, mais on se fera quand même un petit live découverte. Bon, je vous garantis pas que je ferai les jeux complets. Ce sera juste pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont remasterisé le jeu, le gameplay et tout ça. Ce sera vraiment un live découverte par rapport à ça. Et apparemment il y a aussi 30 minutes de vidéo bonus dedans. Inclus dedans, donc ça va être assez sympa. Et le dernier, alors celui-là, j'ai fait une affaire, mais vraiment exceptionnelle. Pour 13 balles, donc frais de port inclus, j'ai rentré ce magnifique steelbook. Tu reconnais certainement le logo hein, pour les fans. Donc il s'agit du Shadow of Tomb Raider. Malheureusement, le titre n'est pas marqué sur la tranche, donc ça c'est un peu dommage. Mais pour 13 balles, j'avais le jeu à l'intérieur. Bon, ici, c'est mon jeu à moi que j'ai mis dedans et le jeu qui était dedans fourni avec le steelbook. Je l'ai donné à mon ami, tu vois, qui est en bas, enfin, Bloody Darkness, pour ceux qui connaissent. Et j'ai remis la pochette aussi du jeu à l'intérieur du steelbook, comme je le fais toujours quand j'ai un steelbook. Je garde toujours la pochette d'origine du jeu. Comme ça, si un jour je voudrais m'en débarrasser ou quoi, eh ben, j'ai toujours la jaquette d'origine dans le steelbook et je le juste qu'à reprendre une boîte PS4 et le remettre dedans, quoi, toi. Bon, pour 13 balles, eh ben, je t'avoue que c'est pas cher payé. Bon, par contre, il y a un petit souci avec le steelbook, voilà. Et le steelbook est franchement mais hyper propre. Il n'est pas griffé, rien du tout. Donc, vraiment très, très, très propre. Voilà, concernant la rentrée des jeux PS3. Donc, si cette vidéo-là t'a plu, bah, tu connais la musique, hein, tu peux t'abonner, liker, partager. Si tu as envie de soutenir la chaîne, il y a plein de possibilités différentes. Tu peux faire le truc classique, faire un don via le super chat ou via mes réseaux enfin spécialement pour ça. Donc tu as le Tipeee, tu as le Utip, tu as le PayPal. Et si tu n'as pas forcément de l'argent à dépenser pour faire un don, tu peux aller sur mon Tipeee dans le lien de la description de la vidéo. Tu as un lien, tu cliques dessus et tu regardes tout simplement les clips qui sont disponibles. Ça me rapporte 3 centimes par clip. Et c'est déjà un soutien énorme pour ceux qui le font, déjà un grand merci. Et au pire des cas, enfin au pire des cas, et si tu veux aussi devenir membre sponsor, là c'est payant aussi, je précise, ça coûte 1,99€ par mois et tu seras membre sponsor pour un mois complet. Moi je trouve que c'est plus rentable que de faire un don. Sur les 1,99€, je retouche à peu près 1,18€. Donc voilà, c'est tout simple, je te laisse et je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Yep yep les potos, voici la suite des vidéos, donc rentrée de jeux PS3. Alors là aujourd'hui j'ai rentré le Toy Story Mania qui est dans un état mais vraiment propre. Je l'ai payé je crois que c'était 7 balles, ouais dans les 7 euros, enfin il me revient à 10 euros avec les frais de livraison. C'est à peu près la même dans les prix que je mets maximum pour un jeu PS3, 10 balles. Ouais, c'est un petit jeu qui est sympa, franchement graphiquement il est pas moche. Ici il est dans un état mais vraiment méga propre hein, tu vois, complet comme d'habitude. Enfin, comme les trois quarts des jeux que j'ai, ils sont quasiment tous complets. Donc c'est des notices et tout. Bon celui-là c'est vraiment un jeu axé pas très 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 enfantin. Tu as des missions à faire, où tu dois par exemple taper des balles dans des trous, bah, pour moi que ça marque un maximum de points. Ça c'est avec Woody. Avec Buzz, tu as des cerceaux à mettre autour d'extraterrestres et ainsi de suite. Donc j'ai pas testé plus hein, le jeu pour l'instant.
Bon, c'est sympa. On peut jouer à deux aussi, donc chacun une manette. Il est compatible avec la Move. Donc tu peux jouer avec la Move aussi. Ben ça va. C'est, franchement, c'est pas mal. Celui-là, il a 50 trophées dessus à faire quand même. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, après, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Que à part graphiquement, ben, ça reste du Toy Story, donc franchement, c'est pas très dur à refaire. Hein. En jeu PS3, il pouvait pas faire pire que l'animé, déjà, par exemple. Donc ça reste quand même relativement sympa. Voilà. Je vous ferai peut-être des petits gameplays comme ça pour vous montrer une fois en live. On verra bien. Bah sinon, il me restera à tester un peu les autres niveaux avec les autres persos. Donc par exemple avec le dinosaure qui est ici et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le dinosaure, je ne sais plus non plus. Marquez-moi dans les commentaires si vous rappelez comment il s'appelle les deux autres persos. Ici. Parce que moi je ne sais plus. Parce que Toy Story, j'ai regardé une fois, mais... En plus, bon, à part qu'on connaît bien sûr Woody et Buzz l'éclair, donc ça c'est les deux personnages les plus importants du film, on va dire. Sinon, par ça, ben c'est sympa, quoi, mais sans plus. Hein, c'est des gameplays vraiment très fort portés pour les enfants. Pour l'instant, le meilleur Disney que j'ai rentré en PS3, ça restera quand même Rebelle. Est franchement pas mal. Bon, graphiquement, ils sont un peu vieux quand même, mais au niveau du gameplay, il est sympa. J'ai quasiment platiné, celui-là en plus, mais vraiment sympa. Je profite de cette vidéo là aussi pour vous inclure un petit jeu Switch, parce que j'allais pas faire une vidéo exprès pour le mettre dedans. Je te dis déjà, j'ai bien fait de garder celui que j'ai en PS4 sous blister, parce que franchement, graphiquement, il est propre, mais vraiment propre. Mais le gameplay, j'ai pas accroché du tout. C'est bien sûr le petit All Boy. Enfin, Wool Boy plutôt. Voilà. Sur Switch. Je l'ai payé 14 balles. Donc pour 14 balles, ça va. Hein. Franchement, il passe bien. C'est un d'occasion. Hein. Mais il est, comme tu le vois, mais vraiment très propre. Il n'y a pas de notice, hein, comme d'habitude. Hein. Que ce soit dans le jeu PS3, PS4 et Switch. Enfin, PS4 plutôt. Ouais. Ça devient plutôt rare d'avoir des notices. Voilà. Mais franchement, il est plutôt assez propre. Vraiment, graphiquement, je m'attendais vraiment à pas avoir un jeu aussi cool que ça. Enfin, quand je dis cool, c'est au niveau du graphisme. Le gameplay est particulier quand même. Bon, en fait, on incarne une espèce de hibou. Et on doit faire des petites missions et tout ça. Donc, bon, j'ai pas testé à fond non plus. J'essayerai de me plonger dedans un peu plus à fond quand même pour voir un petit peu pour affronter les premiers boss et tout ça. Bon, un petit peu ce que ça va donner, mais c'est ce qui me dérange aussi dans ce jeu là, c'est qu'il y a énormément de dialogues. C'est des jeux un peu style japonais, hein, donc il y a beaucoup de dialogues, donc tu prends pas mal de temps à lire tout ce qu'il doit te dire, parce qu'il donne des infos par rapport à ce qu'il faut faire et tout. Donc tu vas attendre un certain temps avant de commencer à jouer tout ça, ou à faire l'émission, et puis voilà quoi. Mais sinon, graphiquement, c'est une belle surprise. Hein. Franchement, même sur la Switch, il passe plutôt bien. Il a un petit côté rétro qui n'est pas dégueulasse. J'aime plutôt assez. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les jeux un petit peu rétro, enfin un petit peu pixel, il est franchement assez sympa. Donc, comme je l'ai dit, il est disponible également sur la PS4 en version collector, à peu près entre 50 et 75 euros, ça dépend des sites où vous le trouvez. Si tu aimes ce genre de jeu, voilà, un petit peu Jap, un petit côté rétro et tout, ben je te le recommande, hein, franchement, sur Switch 15 balles d'occasion, c'est pas la mort, hein, ça fait toujours un petit jeu Switch en plus pour la collecte. Donc voilà. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo les amis, concernant donc les jeux PS3. Donc comme tu as vu, j'ai rentré pas mal de petites pépites. Le boss que j'ai rentré, je trouve quand même que j'ai payé un peu cher pour avoir cette version là, donc sans la boîte. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste un petit jeu sympa. Le seul gros bémol qu'il y a, c'est que malheureusement, les serveurs du jeu sont fermés. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est un jeu vraiment méga fun. Bon, après, je peux jouer en solo quand même. Ou alors à deux, hein, avec plusieurs boss, ou à quatre. Enfin, ici, ils disent qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs en même temps. Peut-être en achetant les autres boss que j'ai trouvés avec en USB, là, qui sont raccordés tous les quatre en même temps. En les rajoutant, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être jouer à 8 en même temps. Mais au niveau des piles avec les boss qui sont là, c'est un petit peu une dinguerie, quoi. 8 piles pour activer les 4 boss en même temps, ça, c'est un peu abusé, quoi.
À la limite, ils auraient mis une pile par boss parce que bon, c'est que ça active que de l'aide. Et la connectique des boutons, je pense pas qu'avec qu'il y ait forcément besoin de deux piles pour faire tourner tout ça. Je pense que la Sony, ils auraient quand même pu. Enfin, Sony, du moins le développeur du jeu, ils auraient quand même pu se casser la tête pour faire en sorte de consommer qu'une seule pile parce que bon, t'imagines, t'as quatre gauches chez toi, ils y jouent quasiment tous les jours. T'as des piles qui durent quoi, je dirais un mois ou deux. Ça fait mal au cul, hein, 8 piles, parce que bon, maintenant c'est 6-7 balles le paquet de piles, ça te fait 15 balles de piles tous les deux mois. Même si tu achètes des piles rechargeables, un paquet de 4 piles, c'est pas donné, hein, en piles rechargeables, franchement. Donc c'est un peu dommage le système là de qu'il faut mettre 8 piles pour les 4 buzz, quoi. Donc, voilà. Bon, enfin bref, sur ce, je vais vous laisser, les amis. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas. Caro et Juju, la passion de la CB, la chaîne anciennement Terminator Bot. Donc si tu veux t'abonner pour te prendre des petites tranches de rire et tout. Et bientôt j'aurai les deux petits locataires, donc Caro et Juju en physique, qui seront chez moi dans leur petite cage et tout. Donc n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne de Caro et Juju. Tu regarderas dans la vidéo, le lien sera en description. Ça peut arriver que de temps en temps dans le lien, ce sera encore marqué Terminator Bot. Donc c'est bien la chaîne là, donc tu cliques sur le lien, tu t'abonnes et puis voilà. Et tu auras des bonnes tranches de rire. Je répète encore une fois, c'est bien sûr à prendre au dixième degré, hein, c'est de l'humour. Je n'ai absolument rien contre Julien Chaise et Carole Quintaine. Ici, c'est vraiment du pur humour, hein, comme il manque cruellement sur YouTube. Donc voilà. Donc sur ce, je te laisse. Passe une très très bonne journée et je te dis à la prochaine.